parce que la grandeur du Congo nous rappelle à accomplir un travail d'exception, un travail d'excellence. Parce qu'au Tanganyika, nous avons fait du travail d'excellence notre point de mire. Car motivés comme envoûtés pour l'amour des Tanganyikaises et Tanganyikais, notre choix et notre vie. Parce que le travail et les initiatives de Tanganyika forcent l'admiration, l'honneur et la récompense. Tanganyika Award, dans sa première édition, sous le signe de l'unité tanganyikaise, honore ses filles et fils ambitieux, brillants et excellents. Ceux qui incarnent les leaderships politiques pour servir le peuple. Ceux qui ont pris le risque d'entreprendre quand pourtant rien n'était rassuré. Oui, ils ont pris le risque pour l'intérêt commun. Vivez ce 25 mars 2023, la première édition du Tanganyika Award au chapiteau Kwamama à partir des 17h. Sous le haut patronage de son excellence Madame le gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, le Tanganyika célèbre l'excellence de ses fils et fils et de toute personne dont le travail et l'engagement participent à son développement dans différents secteurs. Au programme, l'humour avec le prédicateur de la bonne humeur, Herman Amissi de Lubumbashi. Junior Kabishi est gratuit de Kalemi. Musique, M. Joe Zuka, Cléopâtre Marina, Double K. Bienfano, Baby Val, Wivin Mibela, Frank Mufoya. Tanganyika Award, le prix Tanganyika de l'excellence, vitrine de la province. Tanganyika Award, les prix de l'excellence. Je vous ai bien sûr annoncé en entame de cette partie sur ce plateau déjà avec mes deux invités. Une fois de plus, bienvenue et sentez-vous à l'aise. Merci bon week-end beaucoup. À vous et bonjour. Je vous dis quand même bonjour en général comme ça. Bonjour. Madame Gladys Mouli, vous êtes coordonnatrice de l'événement Tanganyika Award. Mm-hmm. Et bienvenue une fois de plus. Merci, bonjour, bon week-end à tous les Tanganyikais, Tanganyikaises qui nous suivent. Maîtrisez quand même le Swahili. Justement, quand même, je suis congolaise. Monsieur Joël Kalima, vous êtes le secrétaire de l'événement Tanganyika Award. Bienvenue chez nous. Bonjour et bien. Et merci. Seigneur aussi de me dire bienvenue. Alors, on a vu quand même déjà l'annonce. Ça a commencé par les affiches partout. Et sur la ville, l'ensemble de la ville de Kalemie, on voit déjà des banderoles de cet événement. Tanganyika Award. Je veux beaucoup plus parler avec madame la coordonnatrice. C'est parti où d'abord les débuts de l'organisation? Merci. Tout est venu beaucoup. Comment? Merci pour la question. Avant de répondre à la question, je voudrais également vous remercier. Merci. De l'espace que vous nous accordez pour nous adresser à tous les Tanganyikais. Le plaisir est partagé. En fait, l'idée est venue d'un monsieur qui est fils du Tanganyika. Ok. Alors, il s'est inspiré de beaucoup d'événements. Uh-huh. En dehors de ça, également, il a tenu à dire merci. À les tenir à cause de ma accenté quoi bandukuya qui batanganiké na batanganikaise baigné balitomika d'où y a province itukabure qui n'est tout na léo. En fait, si nous revenons d'il y a 5 ans, la province ne pouvait pas être ce qu'elle est aujourd'hui. Et l'initiateur s'est inspiré de plusieurs événements dans d'autres provinces, notamment Kin, Lubumbashi, et il a été dans le territoire de Kipushi, dans le Haut-Katanga, pour voir comment les gens se comportent, comment les gens organisent au niveau culturel des événements qui peuvent réunir ma différente culture, ma différente obédience politique, pour que Batubeka n'est pas moi. Alors il s'est dit, pourquoi pas le faire chez nous? Il a dit, je peux aussi le faire chez nous. C'est ainsi qu'il a réuni 2 ou 3 personnes. On s'est concerté pour dire, Joël, tu fais un bras, l'autre fait le cou, l'autre fait les pieds. Et pour dire, voilà, nous mettons ceci sur place. Nous avons besoin d'organiser un événement. L'objectif de cet événement, c'est lequel? Kenyanina Fukuzia, dans la vision qu'il avait, c'était de nous communiquer quelque chose pour dire merci à ses frères et sœurs qui ont premièrement travaillé, qu'il y a ceux qui travaillent dans l'ombre, il y a ceux qui se battent de nuit et jour pour que la province, Ikwe Musalama, il y a ceux-là qui sont en train de militer pour la paix dans la province. Alors, en un grand effort, il y a Batubote. Comment faire? Djok Bonechako, merci. Il a dit, organisons un événement via lequel nous allons atteindre toutes ces personnes. Ma catégorie à Kwachana, ma domaine à Kwachana, tu vas mettre autour d'une même table, autour d'un verre, tu n'as tcheka, tu n'as kula, tu n'as furaï, tu n'as semaxa, tu n'as chika mziki, tu n'as adoucir, tu n'as ngaria comédie, tu n'as furaïcha, et puis ça fait du bien. Je vais donner un exemple. En famille, ma événement, il y en a tout réunira quand il y a à la fête. Oui.
Alors, wakati tu kukilio, tutakuta na bamujomba basangaji baoku na baoku na baoku. Et les deuils, ce sont des événements qui nous permettent de nous réconcilier. Mais pour des personnes qui ne comprennent pas, Dieu nakalaka événement, il y a quoi empirer beaucoup plus ma situation en famille. Mais également les fêtes. Mais ma fête est kalaka très souvent parce que qu'on a battu la prière kalobo banendame. Alors, lui s'est dit que cet événement, Tanganyika Awards, puisse servir des lieux ou de moments de réconciliation, premièrement, d'interpellation. Deuxièmement, et pourquoi d'interpellation? Parce qu'il y a les fils du Tanganyika qui investissent ailleurs. Mais lui s'est dit quoi? Moi, je veux investir chez nous. Il a déjà investi ici. Justement. Un exemple. Nous allons taire. Okay. Ça c'est parmi les surprises de Tanganyika Award. Voilà. Okay. C'est parmi les surprises parce que les gens le comprennent un peu mal. Et je m'excuse un tout petit peu, on est en train de parler d'une personne fantôme. Non, nous ne parlons pas d'une personne fantôme, nous parlons d'une personne physique, fils du Tanganyika, M. Joseph Barnabé Kalonga, voilà, Talacha, qui nous suit depuis Lubumbashi, à qui nous disons, nous faisons un petit coucou, nous disons bonjour avec... Justement, le monsieur sur la sur l'affiche, là, un peu en haut, avec les deux monsieur à côté de lui. L'affiche montre déjà qu'il est en haut. Justement, voilà, c'est lui l'initiateur. Monsieur Barnabé Kalonga, Talacha. Monsieur Barnabé Kalonga, Talacha, il est le fils du Tanganyika. Je le connaissais pas, mais je viens à peine de l'apprendre, c'est une très bonne chose. Et aussi à vous qui ne connaissez pas monsieur le réalisateur, il est sur l'affiche que vous êtes en train de voir sur l'ensemble. Monsieur l'initiateur de la ville, monsieur l'initiateur de l'événement, voilà. D'accord. Ok, on continue. Alors, événement et Tanganyika Awards, il y a quoi dans mon objectif Mbalimbali à Kwachana? Premièrement, réunir les fils du Tanganyika Bote, Bakumanono, Bakuku, Bauku, Bakukongolo, Bakuche Bote, Tukale Kumeza Moya, Tuangarie, Provincier, Tukule Tunatoka, Tunafiki Awapi, Natukunenda Wapi. Ça, c'est parmi les objectifs. Également, dire à ceux, nos fils d'ici, qui ont les moyens, mais qui investissent ailleurs, chez Tourudi et Kwetu, Bidjana Biakwetu, Tonegisigani Tutangana Mukono, pour le développement de cette province. Représentez-vous, le Lualaba évolue vite, le Léokatanga, mais pourquoi le Tanganyika, Ikuna Choka. Ikuna Makal. Alors, j'ai quand même retenu quelque chose, mais lorsqu'on parle d'un award, c'est qu'on voit un événement de remise de trophées, remise de trophées, ouais. Des personnes, ou je ne sais comment, qui se sont distinguées dans un domaine, un autre, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si vous êtes seulement dans la culture en voyant l'affiche ou vous parlez dans d'autres domaines, notamment la politique, notamment, je ne sais pas, l'économie, quoi que ce soit. Donc, il y a vraiment des fils qui se distinguent. Justement. Ça, c'est la question qui sera répondue toujours par vous. Et j'ajoute aussi quelque chose de plus. Est-ce que vous avez fait le sondage de ces fils-là qui se démarquent dans le domaine? C'est vrai que nous allons tous nous réunir autour. Voilà, on essaie de parler, donner quand même le courage à certaines personnes et le reste, ce sera dans les chapiteaux quand même on va y arriver. Voilà, je voudrais un peu qu'il y ait un peu des éclaircissements pour enlever un peu des ondes dans moi, sur ceux qui ne comprennent pas. Parce que quand on voit Awards, on sait très bien que c'est un événement de récompenses, des remises de trophées à des personnes qui se sont démarquées dans tel domaine. On sait que non, l'autre là, il a été un meilleur journaliste de l'année, tout le monde l'a dit, et nous on s'est dit, voilà, à travers cet événement, on va lui décerner ses trophées. L'autre, il s'est démarqué parce que c'est un artiste qui est très bien consommé localement, et là, il nous a représenté quelque chose comme ça, voilà, en guise de reconnaissance. Moi, en tant qu'initiateur de cet événement, fils du Tanganyika, je reconnais que ensemble nous allons lui donner ce prix-là. L'autre, lui, c'est un homme politique, par exemple, il a des œuvres et tout, voilà, 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 qu'il a fait au Tanganyika. Vous voyez ça un peu? C'est ça, je pense, dans les termes de Awards. Voilà. Je ne sais pas, c'est dans cette optique-là que vous venez avec Tanganyika Awards. Merci beaucoup pour cette question. Elle est très importante parce que les gens se posent des questions, soit ceci, soit cela. Mais ici, c'est un événement de remise, de trophée, parce que la pub le dit bien, tout explique, mais ça n'empêche que nous revenions dans les moindres détails. Tunakuyaku remercier au travers un symbole d'un trophée pour dire tel alitumika mzuri, tunabidi tumwankoraje tumoneshe baba ushibakili hapa fanya plus juu ya Tanganyika batu wanakuya leo banangara Tanganyika baneza kuinvestir baneza banaikala ma hotel mzuri baneza banajanve bana trouver ma domaine mule baneza banatumika et la province se développe ainsi. C'est un événement de remise de trophées dans plusieurs catégories, voilà. Nous avons par exemple la culture, parce que les gens le disent, on dirait tout pas les dieux à Bakou. Elle est vague, hein, la culture, hein. Justement, justement, il y a les sculpteurs, il y a les pêcheurs, il y a les comédiens,
il y a les humoristes, il y a les musiciens. Donc tout englobe, tout est englobé dans la catégorie de la culture. En dehors de la culture, nous avons également la santé. Il y a ceux qui ont vraiment excellé dans le domaine de la santé, qui ont travaillé. Aujourd'hui, nous avons l'exemple des grands médecins qui ont été à Kongolo, par exemple le docteur Pierre Kaboué, qui a été dans le Kongolo, qui a été à Nyunzu, qui est maintenant dans le... Est-ce que vous connaissez, monsieur docteur, plutôt docteur Pierre Kaboué? C'est la question que je pose aux téléspectateurs, on aura des réponses. Voilà. Il y a également le docteur Sifa, qui est âgé, cette dame qui est en train de travailler pour lutter, à donner des soins de meilleures conditions aux enfants drépanocytaires. Elle le fait avec ses propres moyens. Cette dame que j'ai rencontrée, très courageuse, elle peut soit être, avoir pratiquement le même âge que nous, jeune dame qui lutte pour que Toto Bachas et Koufana, il est malade. Vous faites la publicité de la dame ou vous donnez quelques Non, exemples. Je donne les exemples des enfants à encourager. Je suis en train de donner un exemple. Je vous donne un exemple. Moi, je suis mère de 3 enfants. À un moment donné, quand je me réveille à 5h du matin, j'ai ma petite fille de 7 ans qui m'accompagne à la cuisine. Elle fait la vaisselle. Donc, elle rince, elle te suit dans tous les pas. Tu es en train de balayer vers 7h. Elle est dehors avec toi. À cet enfant, vous encouragez de la même manière que l'aîné qui peut-être fait sa grasse matinée vers 8h du matin. Par exemple, nous avons d'autres domaines de l'éducation. Aujourd'hui, quand on a ces matériaux français, on nous leur disons merci parce que on ne dit pas la cahier, on dit le cahier. Donc, mon domaine d'éducation, nous avons des institutions, par exemple, à l'université sur Calémie. Qu'est-ce que nous devons dire vraiment merci, quoi, quasi? Parce que nous sommes les produits. Pour les catégories, donc il y en a. Il y en a beaucoup. Autant monsieur, de catégories. S'il vous plaît, vous n'allez pas quand même monopoliser. La même parole. Si c'est le mois de monsieur mars, Joël, je m'absente un peu. Bien sûr, monsieur Joël, là, je vous ai quand même gardé un peu trop longtemps calme. Je me suis dit, en tout cas, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on a congaré un peu ça. Voilà. Je voudrais que vous puissiez un peu aborder sur l'aspect. Vous êtes secrétaire, bien sûr. Je voudrais personnellement que vous puissiez un peu aborder sur l'aspect logistique, technique, comment ça s'est organisé. C'est vrai qu'on va beaucoup plus développer ce jour-là, mais ici, les gens veulent savoir comment s'est organisé cet événement. C'est sûr, on sait bien que c'est dans les plutôt quoi maman, on sait que comment c'est organisé, ça sera comment, vous voyez, ça sera comment, hein? Parce qu'on a vu sur l'affiche les artistes, on s'attend à des prestations et voilà, et tout, et tout, et tout. C'est vrai que pour ces artistes qui sont sur cette affiche, c'est juste une représentativité et voilà, voilà, vous les avez quand même consultés. Parle-nous un peu sur le plan logistique et organisationnel, comment ça sera. Merci beaucoup pour la question. Sur le plan organisationnel, ça avance très bien. Il y a eu des matériels qu'on a eu à prendre ici sur l'académie. On a réuni par-ci par-là. Il y a vraiment des personnes de bonne foi qui ont tout fait de nous accompagner jusque-là. Il y a aussi d'autres matériels qu'on n'a pas pu trouver ici sur place. Donc on a dû passer des commandes par-ci par-là. Question de réunir tous ces matériels au chapiteau quoi maman. Question de faire de cet événement un grand événement. Ça, c'est une première édition. C'est aussi une expérience pour vous en tant qu'organisateur. Ça va se passer dans le chapiteau quoi maman. C'est vrai, vous avez déjà fait des études du milieu et tout le reste. Est-ce que vous avez associé les enfants de Calémie dans l'organisation? Non, bien sûr. Bien sûr. Je parle bien. Quand je parle dans l'organisation, je parle de tout. Donc, pour logistique et tout, est-ce qu'il y a des enfants de Calémie que vous avez repérés qui sont dans l'organisation, qui se sont quand même appropriés la chose? Bien sûr, bien sûr. Nous avons beaucoup même, la majorité des personnes avec qui nous travaillons dans l'organisation sont d'ici sur place. On travaille avec des personnes sur place qui essaient de nous orienter par-ci par-là, qui voient comment faire question de rester dans la bonne logique selon les temps d'amitié. Madame Gladys, vous savez très bien que lorsqu'on tient à décerner un prix, et c'est vrai qu'il y a des fois, on abuse un peu, on est déçu, Académie. Si vous n'êtes pas informé, laissez-moi vous éclaircir un tout petit peu. Quand vous parlez des awards, Tanganyika, il y a eu des événements qui vous ont précédé. Justement. Du genre Awad, ce n'est qu'une édition dans le domaine, que ce soit gospel, que ce soit musique typique. Une édition, il n'y a pas de clarté, il n'y a pas de fiabilité, donc on n'est pas sûr. À tout minute, on a organisé le bout, on a dit tout comme Awad, on va donner des prix. Les gens commencent seulement à vous regarder comme ça. Est-ce que vous êtes sûr de ce que vous faites réellement, que ça va bien marcher et aller des éditions en éditions? Quand vous commencez avec Tanganyika Award, vous avez parlé de tous les Tanganyikais. Et je me rappelle, j'ai eu brusquement une question pour aller un peu beaucoup plus vite. Bonsoir, nous vous suivons. Vous avez parlé de réunir les gens de Manono, Kongolo, Nyunzu et qu'ils sont invités. Et les autres territoires. Est-ce qu'ils sont invités, ces gens-là? Je pense que je vous ai posé deux questions. La première, je vous ai parlé... Du sondage, de comment ça s'est fait.
Et la deuxième, vous allez répondre ensemble pour Merci rapidement. beaucoup pour cette question. Je voudrais vraiment y aller en swahili. Ok. Wakati tulikuwa na onyo, parce que mwenye na onyo ni mutu mwingine na aliweka akiba ya ile onyo. Quand il y a une vision, forcément il doit y avoir une provision pour accomplir cette vision, pour ne pas être dépendant. La plupart des organisations qui viennent, c'est que beko bana dépendre na mifuko ya batu, bana kwa beko il faut aller ça et là. L'organisateur aliweka akiba yake pourvu que qui n'y a na fukuzia, c'est d'appeler tel pour lui dire rentrons d'abord chez nous, du cas autour d'une même table qu'on se parle, on va boire, on va manger, à un moment donné on se dit mais pourquoi nous on excelle pas dans ça, mais regardons un peu le Haut-Katanga, regardons un peu le loi là-bas, comment il fonctionne. Voyez-vous, nous ma objectif. Kingine ni akusema en dehors de ça tu piquer accent benye bana démarquer tu va bien continuer parce que qu'on relève qu'on a kwemo mtapita kuna benye bana mifata mu Kongo. Comment on a procédé, c'est la question très importante. Tulianza mbele mu mabalabala, tuna poser ma question, tuna shiki. En dehors de ça tunasema tubebe ko caméra, tuna uliza ko, tuna pita ko mbalabala, tunaenda huko, tunaenda huko, tunaenda huko. Et puis nous avons dit, allons maintenant dans les médias. Tu viens d'aller dans les médias, tu viens d'aller dans ma radio. Nous avons été dans plusieurs médias. Vous n'êtes pas passé chez nous. Justement, nous avons été sur plusieurs médias, mais aujourd'hui on est en direct, on a l'opportunité d'être ici. Vous n'avez pas fait le sondage chez nous. Justement, on est ici, c'est pour ça que nous sommes là. Vous êtes là pour passer le message, vous êtes invité. Justement, mais... nous sommes invités, mais ça, au fait, notre numéro a été communiqué dans tous les médias. Hier, j'étais dans une chaîne de radio. Pas chez nous. Justement, mais aujourd'hui, nous sommes quand même à la RTGT, en direct en plus, pour que les téléspectateurs interagissent. Il y a des numéros qui seront communiqués pour que les téléspectateurs interagissent. Kunamajin Nyerirudia, il est Mimichidjou à Pan. Alors, nous avons été dans plusieurs médias où Tuliacha a mon numéro de contact, où c'était le journaliste. Vous êtes là et on vous écrit, par exemple, mon domaine musical, culturel, Mouniana Excellé. Mon domaine, par exemple, il y a éducation. Ni structure, ni éducative, il y a une répondre comme ma norme, n'a pas tout, n'a tout, n'a tout, n'a pas tout, n'a pas bien fait. Moi j'ai appris que vous êtes passé dans différentes écoles et demandé à ces responsables que voilà votre école est la meilleure, voilà, et tout le reste. Moi aussi j'ai fait le sondage en tant que journaliste. Ok. Je peux vous citer entre guillemets les quelques écoles, mais c'est en direct, je ne peux pas. Okay, pour et quand vous parlez des écoles, vous dites voilà, vous êtes passé voir les responsables des écoles, non, et non sonder aux autres personnes. Voilà, je veux répondre directement ici, c'est que nous sommes en direct, c'est pour que Batu Banjike, nous ne sommes pas partis. Nous, nous, en tout cas, je veux le dire haut et fort, je le dis à haute voix. Profitez de l'occasion pour directement donner votre numéro. Justement, le 099 85 89 643, Monsieur Joël va m'aider à donner le Vodacom. Nous sommes ici, je le dis haut et fort. Répétez le nous numéro nous rapidement. Nous sommes allés. S'il vous plaît, écrivez le numéro pour les questions rapidement. Allez. Zéro, non, ça serait mieux à votre numéro, 099 85 89 643. Monsieur Joël. Ou attendez, je veux donner le Vodacom. Parce que sur Calémie, nous avons le 081 92 34 061. Appelez-nous, écrivez-nous. Nous voulons démentir parce que, parce que ici, vous n'allez pas quand même répondre à toutes les questions. Justement. C'est mieux de répondre aux autres questions. Merci beaucoup, mais je le dis haut et fort, je dément et après Matoulien d'Akona Moutou. Nous avons demandé aux gens de nous écrire. Il y a des noms qui sont revenus plus d'une fois. Les responsables des écoles. Non, non. En tout cas, jusqu'ici. Ce sont les gens qui nous envoient les noms. Jusqu'ici, ce sont les noms qu'on nous envoie. Je ne vais pas trop vous acculer quand même. Je n'ai jamais été pour le moment. C'est une très bonne chose. Je suis là, je suis coordonnatrice, mais qui est-ce que je suis allée voir? Non, non, non. Jusqu'ici, que quelqu'un me dise j'étais vers lui, j'étais allée vers lui pour quoi que ce soit. Et parlons un peu rapidement des artistes qui sont sur l'affiche. Il y en a d'autres qui se plaignent. Ils disent, voilà, ils n'ont pas été consultés. Est-ce que vous voyez seulement que ces artistes qui n'ont pas été consultés pour être sur l'affiche? Peut-être. Je ne sais pas ceux qui sont sur l'affiche. Pourquoi ils sont sur l'affiche? Très surprenant. Merci beaucoup. Je suis coordonnatrice. Je suis sur l'affiche. Je peux vous expliquer les contextes un peu rapidement. L'équipe me dit, vous êtes coordonnatrice, vous devez figurer. À un moment donné, j'ai désiste. Mais non, quand même pour dire, il y a l'initiateur, vous êtes coordonnatrice. Et puis, on vous met avec l'équipe. Pourquoi seulement la sélection de ces artistes sur l'affiche? Je reviens. Allez, on va voir l'affiche. On continue. Vas-y. Je suis avec M. Joël qui est secrétaire. J'ai M. Fils Ngeleka, M. Germain, M. Jérôme, Mme Merli. Il y a beaucoup de Tanganyika qui sont dans l'équipe. Mais ils ont dit, nous vous mettons parce que vous nous représentez.
représenter en tant que membre de l'organisation. Okay. Et nous avons les autres musiciens que j'ai reçus. Je leur ai demandé de venir. Comment est-ce que nous pouvons travailler pour la réussite de cet événement? Et il y a ceux qui ont accepté de nous accompagner. Nous avons cherché de comédiens. On nous a renseigné sur un faux comédien. On nous a renseigné sur un certain Mosquito qui n'existait presque pas. Alors on s'est dit, on travaille avec ceux qui ont accepté la vision et qui ont accepté de marcher avec nous. On n'allait pas remettre en plus tout le monde sur l'affiche. Vous êtes quand même dans le média, vous savez ce que ça représente. Je pense qu'au début, je dis la représentativité. Donc, vous avez quand même choisi ces artistes, c'est vous. Et ils ont répondu. Nous les avons appelés. Nous pouvons avoir votre affiche, votre photo, nous voulons. Okay. Et ils étaient d'accord. Ah, okay. Pour ceux qui ont traîné, vous savez, les affiches, ça c'est des conditions. Il n'y a pas seulement ceux qui sont sur l'affiche. Non, il n'y a pas seulement ceux qui sont sur l'affiche. Je suis bien éclairci. En tout cas, il n'y a pas qu'à baigner, il n'y a pas affiche. Parce qu'affiche, je l'ai les. Oh là là là. Je ne suis pas quand même en dehors. En tout cas, je voudrais clarifier quelque chose avec les musiciens, c'est que Beko déchiré, Beko tellement divisé et ça craint. Okay. Je me dis, il y a des choses pour lesquelles nous devons, c'est de la bassesse, excusez l'expression. Ouais, je sais très bien. Je les ai reçues et j'ai compris toutes ces plaintes-là. À un moment donné, je me dis, comment Ndoukouangou Mouyanani représenté? Mais bon, c'est mon image, je suis fière parce que c'est lui qui nous représente. Madame Gladys, j'ai compris quelque chose dans vous. Monsieur Joël, essayez quand même de nous parler de modalités d'entrée, comment ça va se passer le déroulement un peu rapidement, parce qu'on ne peut pas faire une émission dans une autre. On est presque à la fin de votre intervention. Monsieur Joël, toi, bien, Kukisibitaku, donc, comment tu vas t'engager à Kodje, tout ça, participation, et t'as quoi à dire? De recevoir un message. Un message, oui. Rapide, vous allez recevoir plusieurs messages, ne vous inquiétez pas. Non, ils ont besoin de moi à Kaïnda pour me poser quelques questions. Vous irez à Kaïnda. Je ne sais pas à Kaïnda. Où vas-y gagner? On va vous accompagner. Vous avez dit que vous êtes fils du terroir, non? Donc vous ne connaissez pas Kaïnda, si vous êtes là. Non, je vais à Kaïnda où précisément qui m'invite. Ah, ok, très c'est bon, ça le problème. Monsieur Joël? Monsieur, vous aimez bien comment vous petit canard, ça va se passer entrée, t'as quoi dire, tu vas t'engager, tu vas participer, et tout un peu, l'année puis un peu ma précision, parce qu'on parle trop un peu à l'intérieur, et pourtant on va pas développer ça. Allez. Bien sûr, il y a des modalités d'entrée, il y a nos billets, il y a nos billets qui sont déjà en vente, il y a des billets de 10, okay. 20, 10 dollars, 20 dollars, 20 dollars. Quand on parlait des 10, des 10 000. 10 dollars. 10 dollars. 10 dollars, 20 dollars et 50 dollars. Et 50 dollars, ok. 50 dollars. Au-delà de ça, il y a aussi d'autres personnes qui seront là en invité. Tant qu'invités. Okay. Donc, c'est un peu ça comme modalité. D'accord. On a, l'événement est prévu, la durée de quelle heure à quelle heure? L'événement commence à 17h. Ok. C'est une soirée. C'est une soirée. Ah, ok. C'est une très bonne chose. Des 17h. Ok. 17h à... Voilà, extant. Quand ça va aller. Extant, quand ça va aller. C'est une soirée. Alors, c'est une très bonne chose. Mesdames et messieurs, prenez rendez-vous pour le 25 mars. C'est dans les chapiteaux. Quoi, maman? Le 25 mars, dans les chapiteaux, quoi, maman? Vous connaissez bien les chapiteaux, quoi, maman? Très bien. Alors, avec 10 dollars, commencez déjà à faire vos réserves. Voilà, j'ai oublié. Les points de vente. Voilà. Merci beaucoup. Monsieur Joël va nous aider à répondre à la question. Nos billets sont disponibles au chapiteau, quand même, le lieu de l'événement. Il y a aussi l'hôtel Encode. Il y a l'hôtel Flora Plaza. Il y a aussi l'imprimerie Patek. Et. Il y a aussi d'autres billets qui sont disponibles via notre numéro de téléphone. Si vous appelez n'importe où vous êtes, on passe et on livre les billets. Le billet, une très bonne chose. Alors sinon, merci. Sur le plan artistique, vous avez appelé Herman M. Joé, je vis sur l'affiche, mais aussi l'humoriste Herman Amissi qui sera avec moi ici, et aussi M. Joé. Vous les avez appelés pour qu'ils viennent soutenir l'événement ou comment pour Merci beaucoup pour cette question fâcheuse pour certains et bénéfique pour les autres. Mais si c'était moi qui allais vous poser ça, vous allez dire que non, voilà. Vous voyez que c'est une question fâcheuse quand même? Bon, je voudrais vraiment répondre à ceux qui pensent que leur visage, c'est quelque chose qui les discrédite. Au fait, lorsque nous amenons Herman aujourd'hui sur le plan national, le plan de la RDC, il fait quand même notre fierté. Très bien. Et les associer avec les nôtres comédiens d'ici nous fera du boom. Okay. Parce que nous nous sommes dit, nous avons besoin que sur le thème de cette année, pour la première édition de Tanganyika Awards, c'est... Ensemble, Pamoja Djuya Mandelo et Tanganyika. Okay. Nous avons besoin qu'ils nous ressortent l'unité tanganikaise. Batou inculqué, batou ancré des messages à Mapendo. Alors on s'est dit, on appelle Herman, on les associe pour qu'ils nous fassent quelque chose du bon. Mjoué, quand même, aussi sur le plan national également, c'est une soirée acoustique. C'est une soirée où on se dit, on a besoin de la bonne musique et tout de tendre.
Il y a ceux, on fera se dire, on a des mécènes culturels, on se dit, Mjoe, il a offert un featuring avec nos musiciens d'ici. Au fait, les optiques, au fait, il y a des surprises que nous réservons, mais on se rend compte que nous ne pouvons pas les garder. Il faut que les gens aillent, je vais comprendre, il y a tout un attaque. Tout un attaque symbiose, Twingiane et Chebote, pour que nous fassions que le Tanganyika ressorte le meilleur de la province et que ce pays soit fier du Tanganyika. Parce que jusque-là, la province est vierge. Il y a exploré mon domaine, il y a Mingi. Parce que vous, qui prétendez être les fils et fils du terror, coincé là-bas, je ne sais où, et vous voyez seulement le Tanganyika comme ça, vous dites elle est vierge pour nous et elle n'est pas vierge. Merci et elle beaucoup. Se développe déjà. C'est vrai, elle se développe, mais comparée à d'autres provinces. Si nous devons vraiment évaluer, monsieur le journaliste. Elle est une nouvelle province, en chantier. Justement, raison pour laquelle on se dit bah, quoi tout, tu roudis et quoi tout, ton égis gagne, tout taongana moukono. Au fait, les gens, je ne comprends pas. Il suffit que monsieur Joël me tienne la main, je le tienne la main avec les idées. C'est on du coup des idées que j'ai la lumière. On a beaucoup à dire. Si on reste là en train de parler, on ne va pas terminer. Et 30 secondes, c'est sous le haut patronage de madame le gouverneur de la province. Merci, la ça question. Ça aussi, ça choque. Oh là 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 là, merci beaucoup. Je suis très fière de cette question et je voudrais la répondre en royauté. Okay. Je voudrais dire merci à toutes les mamans qui nous ont donné la vie, qui nous ont éduquées. Okay. J'en profite vraiment de l'occasion au nom même de tous les gars, les partenaires à côté de moi, Minasse Maxanti Kubamam. Monsieur l'initiateur, il donne le patronage à madame. En tout cas, Djokoule Nikonaïn. Palais Minasse Maxanti Kubamam Minasse Manini. Nous sommes dans une province qui a une autorité. Nous organisons un événement qui a une envergure de haute quand même niveau. Na wakati tunasema tout qu'on a besoin na baraka. Wakati mina komia munyumba yenu et que je voudrais organiser quelque chose. Si tapata baraka ya muzazi monasema, vous pouvez faire dans ma maison. Kama mama nasema mutafanya kwangu. Vous pensez vraiment que cet événement aura lieu? Ben, vous pouvez négocier, demander qu'est-ce qu'il faut pour que tout fasse couler. Mais ça peut corrompre le gouverneur, corrompre le patronage. Non, non, il n'est pas question de corruption. Je reviens encore à l'exemple. Nous sommes dans une province où nous avons une autorité. Elle n'a pas refusé. Je rappelle ici, justement, nous n'avons pas prétendu. Ils ont été en contact avec l'initiateur. Voilà. Ils ont parlé, il a dit, bon, je vous donne l'autorisation. Tous les grands événements se présentent, se font sous le haut patronage. Nous avons, je vais donner l'exemple de Katanga Ward, de la province du Haut Katanga. Les événements, c'est ce grand événement où on se dit, on réunit les grands de la province. C'est sous la bénédiction de l'autorité numéro 1. Et toute autorité vient de Dieu. Chose choquante ici, c'est que, juste parce que il y a juste ce haut patronage, ni baraka ya mwenye na nyumba bandouk, je viens à la RTGT. Voilà. Nous avons un prix à remettre au nom de la RTGT. On l'a remis à qui? Voulez-vous que cet événement, ce n'est pas sous le patronage de qui, s'il vous plaît, chères autorités? Toi, bien, c'est pour vérité. Ah, j'ai pensé que vous étiez attaqué par les autorités. Hein? Non, non, je n'ai pas dit. Je reviens à vous. Okay, merci. Minakwa pour RTGT, il y a un prix, monsieur Joël, pour. Le responsable de la RTGT. On prend qui? Le technicien, le régisseur ou monsieur le portier? Je ne sais pas. On a un événement, par exemple, RTGT totalise ses 10 ans d'événement. On remet ce prix à qui? Je ne saurais pas répondre parce que c'est moi qui pose voilà. les questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup, j'en reviens. Ici, nous venons à la RTGT. On a besoin de voir le responsable. On commence par qui? On commence par le numéro 1. Ouais, nous sommes sûr. Dans une province, on organise quelque chose pour notre première édition. D'où il fallait voir l'autorité. Ouais. Et on ne pouvait quand même pas se passer la baraka ya mama. Surtout que c'est le mois de mars. C'est scandaleux et aberrant que certains Tanganyikais pensent que nous sommes sous la politique. En tout cas, les politiques, laissez-nous respirer. Nos objectifs sont vraiment contre merci la, à vous, en dehors de la politique. Joël, j'étais très content de vous recevoir. Alors, je vous recrute. En tout cas, j'aime bien que vous soyez journaliste de la RTGT parce que vous parlez beaucoup et vous êtes mieux placé. Monsieur Joël, j'étais très content de vous recevoir. Mesdames, messieurs, prenons rendez-vous pour un petit mot de la fin et les messages, les numéros, les contacts pour les téléspectateurs. Nous nous privez quand même pas de ça. C'est le mois de la femme en plus. Comment alors, vous nous privez de ça? Je vous ai quand même laissé. J'ai eu un message. J'ai été menacé par un téléspectateur. Pourquoi madame parle beaucoup que monsieur? Vous voulez que je vous montre le message? Parce que c'est le mois de la femme. On n'a quand même pas me priver de ça. Pourquoi les garçons ne parlent pas? C'est toujours la fille. Et c'est toujours la dame. Je vous ai laissé, je sais très bien pourquoi. Parler alors, monsieur Joël, vous parlez un dernier mot. comme dernier mot, c'est que j'implore et je demande à la population de Kalimi, et Grand Tanganyika d'ailleurs, de s'approvisionner en billets. Oui. Il y a nos points de vente qui ont été cités précédemment, donc vous allez prendre votre billet et pour pouvoir participer à cette grand événement qui sera organisé ce 25. Donc, c'est un simple ça.
Mesdames, Messieurs, merci à vous, Madame Gladys C'est nous qui Moui vous et Monsieur Joël remercions. Kalima. Kalima, je retiens facilement le nom. Je vais quand même être très content. Espérons que nous serons tous là pour cet grand événement et nous allons continuer. L'activité est toujours là pour vous accompagner aussi dans cet événement. Merci pour l'initiateur. Merci à vous qui êtes bien sûr dans l'organisation, Madame la coordonnatrice merci et Messieurs beaucoup. Les secrétaires et tous les comités de partout. Vous êtes bien sûr en train de nous suivre, que ce soit là-bas et partout et surtout à Lubumbashi et ailleurs là-bas. Nous vous disons merci à vous et j'espère très bien que ça sera une très bonne chose. Merci d'être passé. Mesdames, Messieurs, je vais entrer de côté de la technique. Toutes les questions possibles, vous les posez à Madame Gladys à travers le numéro qu'elle vous a passé, et également à Monsieur Joël. Et moi, je vais continuer à vous poser des questions. Vous m'envoyez aussi d'autres messages, je vais transférer comme d'habitude. Nous sommes arrivés à la fin pour cette intervention. Et on se sépare avec ce même spot de Tanganyika Award et pour passer à autre chose très rapidement parce que nous serons passés à la fin de l'émission. Tanganyika. Parce que la grandeur du Congo nous rappelle à accomplir un travail d'exception, un travail d'excellence. Parce qu'au Tanganyika, nous avons fait du travail d'excellence notre point de mire. Car motivés comme envoûtés pour l'amour des Tanganyikaises et Tanganyikais, notre choix et notre vie. Parce que le travail et les initiatives de Tanganyikais forcent l'admiration, l'honneur et la récompense. Tanganyika Award, dans sa première édition, sous le signe de l'unité tanganyikaise, honore ses filles et fils ambitieux, brillants et excellents. Ceux qui incarnent les leaderships politiques pour servir le peuple. Ceux qui ont pris le risque d'entreprendre quand pourtant rien n'était rassuré. Oui, ils ont pris le risque pour l'intérêt commun. Vivez ce 25 mars 2023, la première édition du Tanganyika Award au chapiteau Kwamama à partir des 17h. Sous le haut patronage de Son Excellence Madame le Gouverneur de la province du Tanganyika, Julie Ngungwa, le Tanganyika célèbre l'excellence de ses fils et fils et de toute personne dont le travail et l'engagement participent à son développement dans